Chers camarades combattantes et combattants de l'UDPS, comme vous venez de le suivre par le camarade Clément Barouti, secrétaire rapporteur de la commission d'identification créée par l'autorité compétente pour pouvoir identifier les membres de la Convention démocratique du parti pour la session inaugurale de la législature 2023-2028. La commission s'est immédiatement après la publication de la décision, mon cher, au travail pour pouvoir élaborer une feuille de route que nous allons vous présenter dans le cadre du fonctionnement normal du parti. Pour rappel, notre parti prévoit dans ses statuts le fonctionnement de l'UDPS à travers trois organes nationaux qui sont les suivants, et ce par ordre de préséance: le Congrès au numéro 1, qui est l'organe suprême du parti, la présidence du parti, qui est l'organe de représentation, d'orientation et de décision du parti, et enfin la convention démocratique du parti, qui est l'organe de concertation du parti et dont la composition et les prérogatives sont définies aux articles 30 et 31. Parce qu'il s'agit de la convention démocratique du parti pour laquelle la session inaugurale de la législature doit être lancée dans les jours qui viennent. Nous allons, à votre intention, lire le libellé de l'article 30 qui en montre les organes internes et la composition. Article 30 des statuts: la convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti. Le contenu politique de cet organe, convention démocratique du parti, c'est le lieu où, deux fois par an, en temps normal, l'UDPS se retrouve dans une grande rencontre qui ne peut pas dépasser 15 jours selon les statuts,
pour pouvoir analyser les grandes questions du pays et du parti. Et cet organe, chose qu'il faut bien rappeler, n'est pas une assemblée délibérante comme nous les avons eues avant la révision statutaire de 2010. Avant 2010, que ce soit dans les statuts de 1982, que ce soit dans les statuts prévus à partir du conclave de Bondéco en 1994, les anciens statuts prévoyaient des organes délibérants, des assemblées délibérantes qui étaient au niveau national, le comité national, et au niveau fédéral et sectionnaire, les assemblées fédérales et les assemblées sectionnaires. Au vu de l'expérience que cette organisation du parti avait produit à la veille de 2010, où nous étions en train de nous préparer à aller aux élections de 2011 après avoir boycotté celle de 2006, le congrès du 10 au 14 décembre 2010 avait carrément opté pour la suppression des assemblées délibérantes pour tout ce qu'elles avaient produit comme résultat. Entre autres, on s'est retrouvé avec 3-4 comités fédéraux ou sectionnaires dans les différentes entités. Parce qu'un groupe pouvait se réveiller aujourd'hui et dire « Bon, nous renvoyons le comité fédéral ». Ceux-là aussi disent « Bon, nous sommes le comité fédéral », ainsi de suite. Parce que ces assemblées délibérantes étaient devenues un peu comme nous l'avons vu au niveau du gouvernement avec les assemblées provinciales, c'était devenu des lieux de règlement des comptes entre les membres des organes délibérants qui étaient législatifs aussi et les membres des comités exécutifs qui étaient des comités fédéraux, comités sectionnaires et cellulaires. Alors, au congrès de 2010, on a carrément supprimé cela et nous avons mis en place un grand cadre où, comme je le disais, deux fois par an, en avril et en octobre, les membres de l'UDPS qui sont dans les différentes structures de la vie nationale, à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, dans les entreprises, au niveau de l'exécutif du parti et au niveau des structures, autres structures du parti, jusqu'au niveau fédéral, devaient se retrouver pour analyser la marche du pays et la marche du parti. Je peux vous dire que depuis 2010, de façon normale, cet organe de la CDP n'a jamais fonctionné et lancé comme le prévoient les statuts. On a eu à faire des raccourcis où un petit groupe des membres de l'organe se sont considérés comme la totalité. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Cette fois-ci, comme nous sommes au début de la législature 2023-2028, soit dit en passant, les mandats
des fonctions que nous occupons au parti suit aussi le circuit des mandats au niveau du pays. Nous sommes dans la législature 2023-2028. Nous avons des nouveaux sénateurs, nous avons des nouveaux députés, nous avons des nouveaux ministres, nous avons des nouveaux mandataires, ainsi de suite. Nous devons aussi commencer une nouvelle législature de cet organe qui regroupe toutes ces personnalités-là. En ce qui concerne les composantes ou les membres qui font la CDP, selon l'article 30 de nos statuts, nous avons les députés nationaux et les sénateurs qui sont la première catégorie de membres. La deuxième catégorie de membres, ce sont les ministres et les mandataires. La troisième catégorie de membres, c'est l'exécutif national que nous appelons la présidence du parti. C'est-à-dire l'organe où il y a le président du parti, le secrétaire général, ses adjoints, les secrétaires nationaux. Voilà, c'est ce que nous appelons la présidence du parti. C'est la troisième catégorie des membres. Et si vous le remarquez bien, ces catégories montrent aussi l'ordre de préséance des membres qui composent la CDP. Comme quatrième catégorie, nous avons les présidents des comités fédéraux. Pas les fédérations, mais les présidents des comités fédéraux. Cinquième catégorie, les présidents des conventions démocratiques fédérales. Sixième catégorie, c'est qualité que nous avons le président de l'école du parti. Septième catégorie, la présidente de la Ligue des femmes. Huitième catégorie, le président de la Ligue des jeunes. Et neuvième catégorie des membres de la CDP, Convention démocratique du parti, ce sont des personnalités que le président du parti, selon l'article 22 des statuts, désigne en raison de 5 par province pour consommer, nous dire, la représentativité, peut-être qu'elle pourrait faire défaut, la représentativité provinciale au niveau des autres organes. Voilà comment cette CDP est organisée par les statuts du parti. Et s'il faut ajouter encore sur le fonctionnement de la CDP, je vous ai dit qu'en session normale, elle fonctionne et se tient deux fois par an, en avril et en octobre. Et à chaque session, son bureau, le bureau de la CDP, se renouvelle. C'était aussi une façon de faire dans les assises du Congrès de 2010, soit de règlement de comptes politiques. Alors, nous, au niveau de la commission, nous nous
nous sommes réunis et nous avons décidé du déroulement de nos activités à travers une feuille de route que je m'en vais vous présenter immédiatement. Nous avons déjà commencé par l'identification des membres de la CDP de la première catégorie à la huitième catégorie. Nous sommes en train de confectionner la liste de tous ceux qui, est-ce qualité, feront partie de la CDP de la législature 2023-2028. Et les autres, nous allons nous atteler à présenter aux autorités du parti la composition de la neuvième composante qui sera composée de 5 fois 26 provinces, 5 membres fois 26 provinces, c'est-à-dire 130 membres. C'est pour cela que nous avons la tâche d'ouvrir des consultations. Dès demain, les consultations d'organisation interne à chaque province où les membres de l'UDPS de la province s'organisent en un petit comité pour pouvoir défendre, si je peux dire, les intérêts de membres UDPS de leur province. Et ce sont ces comités des caucus de province que nous allons commencer à recevoir à partir de demain. Demain dimanche 18 août, parce que il nous faut aller vite pour pouvoir permettre à l'autorité compétente d'avoir la composition complète de la CDP et de pouvoir la convoquer selon les attributions lui dévolues par les statuts. Demain dimanche, nous allons donc recevoir les caucus ici même à la permanence du parti de 10h à 18h. Et nous allons consacrer à chaque espace géographique 2 heures. 2 heures durant lesquelles nous allons recevoir des propositions. Parce qu'on aura besoin de 5 personnalités pour représenter la province et nous insistons, ça doit être des personnes habitant Kinshasa pour nous éviter des problèmes d'ordre budgétaire en ce qui concerne la tenue des sessions, que ce soit les sessions ordinaires, les deux par an ou les sessions extraordinaires. Alors, chaque caucus nous présentera donc 10 noms en spécifiant bien le territoire, parce que c'est la même province, on doit connaître le territoire et aussi l'ancrage au parti de ces candidats qui vont nous présenter. Ça va nous permettre à notre tour de voir comment délibérer et pouvoir leur annoncer les jours qui suivront
les cinq personnes retenues en tenant compte de l'équilibre des territoires dans chaque province. De façon pratique, demain de 10h à 12h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Léo. L'espace Léo regroupe la province du Congo central, la ville-province de Kinshasa, la province du Kwango, la province du Kwilu et la province du Maïndombe. De 12h à 14h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Kivu, Grand Katanga. De 14h à 16h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Équateur, Grande Orientale. Et de 16h à 18h, nous allons recevoir les caucus de l'espace Grand Kasaï. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, la quintessence de notre activité d'aujourd'hui. Je vous remercie. Est relative au temps, au moment choisi pour relancer l'organe Convention démocratique du parti. Je crois vous avoir dit ici que le cycle d'organisation au niveau du parti est calqué sur l'organisation du pays. Nos statuts disent que le mandat est de 5 ans. Le mandat est de 5 ans parce qu'au niveau du pays, tous les 5 ans, nous avons une législature. Je crois que nous sommes tous témoins du retard pris par la mise sur pied des institutions au niveau du pays. La dernière institution qu'il fallait mettre en place n'a eu son bureau qu'il y a moins d'une semaine. Je ne sais pas combien de jours, ça fait 3 ou 4 jours. Une fois que toutes les institutions de la législature au niveau national est au complet, nous pensons que c'est le moment où nous devons, nous aussi, au niveau du parti, mettre en place les organes pour la nouvelle législature de 5 ans. Et comme je l'avais dit, nous, on s'inscrit dans le fonctionnement normal du parti. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique parce que quand nous lisons les statuts, vous avez tous la réponse que la nouvelle composition en termes des personnes qui doivent y figurer de la Convention démocratique du parti ne pouvait se faire que lorsque toutes
les institutions avec leurs membres au niveau du gouvernement, au niveau des organes de l'État, affiche complète. La deuxième question, si j'ai bien compris, le camarade journaliste... Face télévision. Et la face télévision, oui, il voulait savoir... Il voudrait savoir pourquoi les délégués de la... Les personnalités à désigner par province donnent la préférence aux délégués qui habitent la ville de Kinshasa, c'est pour des besoins budgétaires. Parce que la convention démocratique se tient pendant 14 jours ou 15 jours fois 2 par an. Si nous faisons comme au Congrès, prendre les personnes qui habitent jusqu'au fin fond de la République, ça a un coût financier. C'est ainsi que lors de la rédaction des statuts de 2010, à l'issue du congrès du 10 au 14 décembre, on avait convenu que les personnalités à désigner pour la 9e composante soient tous habitants ou résidents de Kinshasa. Parce que si nous faisons comme le congrès, nous aurons une facture salée. Parce qu'avec le congrès, on invite on prend des invités de toutes les fédérations. Si nous pouvons faire un calcul à partir de la nouvelle configuration de nos subdivisions dans le parti, ça sera donc des délégués qui viendront au moins 145 territoires, plus autant de villes que nous avons. Et calculer tout cela, la logistique est toujours lourde. Mais attention, le congrès ne se tient que une fois au moins, tous les 5 ans. Mais avec la convention démocratique, qui se présente sous forme, enfin, comme un petit format du congrès, dans l'espace entre les congrès, on ne pouvait pas se permettre ce luxe-là de payer des billets, payer l'hôtellerie, ainsi de suite, des délégués qui viendraient de 26 provinces, alors que nous avons des membres du parti originaires de chaque province ici à Kinshasa. La troisième question est relative à ce que je peux appeler l'issue de la démarche dans laquelle nous nous trouvons. Mais la démarche consiste à normaliser le fonctionnement du parti. Je vous ai dit, sans complaisance, je vous ai dit que depuis 2010, la convention démocratique du parti, telle que voulue par les statuts, n'a jamais fonctionné. Il y a eu des raccourcis avec des petits agendas politiciens. Et au vu de ces résultats, de ces combines-là, on se dit,
que l'on prenne les choses en main et qu'on les fasse conformément au statut. C'est une question de régularisation du fonctionnement du parti. Parce que ce cadre est offert par les statuts pour pouvoir traiter de toutes les questions, que ce soit au niveau national ou au niveau du parti, dans un cadre où le parti se retrouve avec ses représentants qui sont membres de toutes les structures de la nation. Ce n'est que normal que nous donnons le go et que, à partir du début de cette législature, la Convention démocratique, organe de concertation, creuset de la démocratie interne au parti, fonctionne tel que le veulent les statuts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et relatif à la compétence. Oui, la compétence de convoquer la session inaugurale au début de la législature pour cet organe appelé CDP, cette compétence est dévolue au président du parti. Et les prérogatives du président du parti sont actuellement exercées par une personne qui a reçu cela du Congrès. De la province Y ou même de l'espace géographique Z se retrouve toujours dans des petites organisations lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du parti dans leur coin, ils se retrouvent. C'est ce que nous appelons les caucus. Les 9 composantes, il vous a cité par exemple le sénateur et le député. Et ici, nous savons que le député et le sénateur proviennent de nos provinces, de nos territoires. À partir de la désignation de ce groupe qu'on appelle député et sénateur, nous avons déjà une représentation. Ils viennent de nos provinces, de nos territoires. Donc, les députés de l'UDPS, les sénateurs de l'UDPS sont habilités à représenter nos combattants issus de leur province. De deux, nous avons les fédéraux. Chaque territoire constitue une fédération. Donc là aussi, il y aura représentativité. Nous avons 145 territoires. Donc il y aura 145 présidents fédéraux qui vont provenir de 145 territoires. Donc c'est une représentation. Et nous avons aussi, dans d'autres composantes, moi je suis de la présidence du parti, mais je suis du territoire de Mbanzangou, des cataractes. Donc je connais aussi les cataractes, je connais le Congo central. Je vais pouvoir représenter aussi les cataractes ou le Congo central, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, je pense que les explications du coordinateur étaient suffisamment éclairées. Merci.